c'est pas le médicament lui-même pour une semaine, deux semaines, mais ce qui est dangereux, c'est que l'effet du médicament à moyen à long terme. Ouais. Ce n'est pas vrai. Je suis chercheur et c'est mon domaine. J'étais dans des équipes, je suis spécialisé en expérimentation. C'est moi qui, en tant que docteur biométricien en même temps, je monte les plans d'expérience. Il a pas ce plan. Il est spécialisé dans le cancer. Il est spécialisé, il est cardiologue, les études, mais je dois lui faire le plan d'expérience méthodiquement, comment, par quoi tu dois commencer, comment tu vas faire, comment collecter les données, comment mesurer, les méthodes de mesure, il a de quoi. Pourquoi? Parce que c'est la méthode scientifique. Quel type d'expérience tu as fait? Quel est ton plan? Et le plan, c'est un plan très rationnel, il est mathématique. Ouais. C'est des mathématiques. Quand tu as une collecte de données, qu'est-ce que tu fais? La collection des données, elle se fait de façon très méthodique. Ça va à des points 1, 2, 3, 4, méthodiquement. Il faut que la donnée soit fiable. Donc la collecte, elle doit être méthodique et mathématiques, etc. Une collecte de qualité. C'est des méthodes mathématiques et c'est des méthodes aussi biologiques très bien connues. Donc, il a un travail. Je l'analyse dans le cahier d'Einstein. Les données, c'est ça, elles sont fiables. Maintenant, j'ai analysé. Après l'analyse, j'interprète. Après, une fois que j'ai analysé et interprété, j'arrête les décisions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aux patients? Quand tu vois, voilà, je suis différent. Les résultats guérent au coup de fil, l'interprétation. Donc, on va décider de manger de telle manière, de faire du sport, de ne pas faire, de s'énerver, de ne pas s'énerver. Quelles sont les méthodes pour ne plus s'énerver, si c'est possible? Il marche le scar d'un mien. Incroyable. Scar d'un mien, là, c'est chez moi. C'est là, il met la guillot. Il met une voilée à guillot, un steamer bala. Il met une à bord, je suis sûr que 24. 24. À qui une car? Alors, sois sobre. Prends ce qui est utile. Il se gagnera. Des sucreries, des limonades, des trucs. Où il y a nous, mais c'est pas comme un jeune de 20 ans. Un million de 5-6 semaines, c'est fini, tu dois changer ton hygiène de vie. Un jeune, ça va dire un match de football d'une heure et demie, allez, vous filtrez le Coca-Cola et non, ça a dit. Parce qu'après, il va bouger une heure et demie, le sucre n'est aucun des rois. Il connaît déjà la cellule, elle a vieilli à partir de 50 ans. Elle a vieilli, en plus, les mauvaises habitudes, et là, on respecte pas cette forme qui a des milliards d'années. Pendant 10 ans, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Il faut prendre ça au sérieux. On commence à vérifier les médicaments. Je ne dirai jamais ça. Au contraire, mais il faut les prendre quand il faut. D'abord, on essaye de revenir à l'équilibre des systèmes là, à l'équilibre de nos habitudes, nos mauvaises habitudes. Pourquoi j'ai un cancer du poumon? C'est toi qui l'as produit. Une fois, deux fois, trois fois, je t'ai sauvé pendant 5 ans, maintenant meurs. Mais arrête, c'est l'hygiène de vie. Arrête, fais un peu d'activité physique. Prends une tisane. Va au bord de la mer qui dit, tu vas prendre un peu d'iode qui dit, la microbiote, elle est très importante. C'est des êtres vivants. La microbiote, elle dit, il ne faut pas la tuer. C'est pour ça que on n'est pas d'accord pour le médicament. Quel dans des cas très graves,
Pourquoi? Parce que le médicament est acidifiant. C'est de l'acide. Hier, nous mettons une dose derrière l'autre après une année, 2 ans, 3 ans. Il y a des gens qui prennent des médicaments toute leur vie. Ils sortent pas tous. Il y a dans les 20%, 30%, ça dépend des personnes, elles bougent, elles ne bougent pas. Donc, trimène dans le corps. Et ça s'accumule partout, dans le cerveau, dans le cœur, dans le foie, surtout le foie. Parce que le foie, c'est un douanier. Il les empêche de passer. Mais à force, ils esquintent le foie. Et ça fait des tumeurs. Ça fait de la cirrhose. Ça fait de la stéatose. Ça, tout simplement, ça déséquilibre le fonctionnement du foie. À toi, ça a le cholestérol. Parce que le foie, il fabrique 80% de notre cholestérol. Mais à force d'envoyer ces médicaments dans le foie, l'usine qui fabrique le cholestérol, elle se dit que bien. Et là, ça crée des maladies graves après. D'un côté, instantanément, un ou deux symptômes. Mais de l'autre côté, à moyen à long terme, ils et c'est pour ça qu'il faut avoir deux types de vision. Une vision courte pour enlever le symptôme et une vision longue pour éliminer et guérir, éliminer la maladie. Et pour éliminer la maladie, il faut d'abord déterminer les causes profondes par rapport à cette maladie et les éliminer. C'est le terrain qu'on veut d'abord nettoyer, le nettoyer complètement, de le détoxifier. Donc si on dit détoxifier le terrain, on détoxifie les organes, les systèmes. Le foie, il faut le laver. Ton obin a 3 mois, 4 mois, on va se serrer. Mais maintenant, jamais se serrer. Et puis il se dit, c'est doigt. Douanier 70% à front, on dit que ça exprime le foie. Je vais pas le croire. On va dessiner pourquoi 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il a eu de l'Alzheimer. Une partie de. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention et qu'il faut justement détoxifier les organes et le corps tout entier, même la peau. Tous les systèmes doivent être lavés. Et même le mental. On a à peu près, disons, en général, 4 corps très importants. Ils sont clairs. Il y a le corps physique, il y a le corps mental, c'est des corps. Le corps mental, y compris le système nerveux. On a le corps émotionnel, surtout l'Algérien. L'Algérien, il passe par 10 000 fréquences. Il est calme, il fait soit ton obélicide à Kounen, soit Dionysie Disbelen, soit Ichdemara, soit Akad ou Akar. Donc il passe par 10 000 émotions. Donc déjà les émotions changent de fréquence à chaque fois, c'est des tremblements de terre. On esquinte le corps. Nous connaissons la c'est normal. L'Algérie est normal. Alors que c'est pas bon. Pas bon. Mais on connaît trop. À que tu dis au Canada, un calme olympien, parce que j'étais à une fréquence, à une autre fréquence. C'est la fréquence du partage, de l'amour. Vous avez un problème, monsieur? Vous êtes perdu, vous n'êtes pas d'ici, je suis là pour vous aider. Non, c'est à l'intérieur du monoprix lui-même, le métro à l'intérieur, parce que c'est des pays froids, c'est là la neige au coulis, le crâne des bouches de métro ouvertes, la neige, elle va tout fermer. Donc, pour moi, le métro, c'est comme à Paris. Et c'est un peu de temps,
Donc, les rachides, on a, il y a une certaine fréquence. La fréquence de Smurtegim, c'est une fréquence qui crée des maladies. Tu arrives à t'adapter, mais tu as un petit peu de m'adapter, tu es obligé de t'adapter à chaque réalité. Mais je fais tout pour garder ma fréquence. Ma fréquence. La fréquence du partage, la fréquence du merci. Il faut de l'éducation. Au contraire, qu'est-ce qu'il me fait? Donc les quatre corps, physique, mental, émotionnel, spirituel, il y a le corps énergétique. Le corps, c'est de l'énergie, on a de la force, on a des muscles, ça tire, ça. Il y a un corps énergétique. Asnarbe, travailler le système musculaire. On travaille le terrain. Même si le terrain est le petit bois guigné, on essaye de faire de la massothérapie, on essaye de toucher les points d'acupuncture qui sont là, on essaye d'envoyer des hachichéres, c'est le holi d'amni, l'invégué. Donc, on nettoie le corps. Et la maladie, pourquoi elle s'installe? Parce qu'elle s'installe. C'est le terrain. Parce que le terrain est sale. Il est pasteur avec le grand docteur Aguirre, qui était en médecine allopathique. Il a versé dans la médecine naturelle. Il essaie de d'abord 6, une fois que ça n'a pas marché, on essaie la médecine, la guide d'urgence. Il est obligé d'aller voir un orthothérapeute. C'est normal. Sinon, c'est des cas limites. Les analyses du sang, les analyses du sang, etc. Mais les cas limites. Mais il faut d'abord avoir de bonnes habitudes à la maison, au travail, etc. Donc c'est l'hygiène de vie. Elle est très importante. Il dit, c'est oui. Si elle est bonne, akthawem khair. Si elle n'est pas bonne, akthawem. Mais la plupart des docteurs en médecine naturelle, c'est des défis. Les grands professeurs, ils ont 95 ans, 100 ans. Un docteur, en médecine naturelle, à jamais. Un petit peu d'air. Pourquoi? On rentre dans le rouge à partir de 8 kilos. On rentre plutôt dans le jaune. 10 kilos, c'est déjà le feu rouge. Alors, c'est le danger. Pourquoi? Danger, le maillon faible, est-ce que c'est le cerveau? Parce que si en même temps, le poids est très exagéré, ça veut dire que la masse grasse, elle domine les autres masses, la masse maigre. Et donc, elle va l'attaquer. Donc, même la veinée, quand elle commence à attaquer le gras, il met ça à bzef. Quand il commence à attaquer mon muscle, mais à force de prendre du poids, on va aller l'hiver, que j'arrive vers l'extérieur, difficile, c'est des déformations des muscles, des déformations de l'os, c'est ça. Et ça fait quoi là, parce que ça joue sur 10 ans, 10 ans, 10 ans. Et c'est ça.